Blabla Lab Are you ready to expand your French vocabulary and take your language skills to the next level? In this video, we'll be diving into 100 daily life phrases in French. Not only will you learn new vocabulary, but you'll also pick up on the natural flow and rhythm of the French language. So, whether you are a beginner or just looking to brush up on your skills, this is the perfect video for you. Join us as we learn and speak like a true francophone. Je me lève tôt le matin. Je me lève tôt le matin. I wake up early in the morning. Je me lève tôt le matin. Tu vas à l'école en bus ou en voiture. Tu vas à l'école en bus ou en voiture. Do you go to school by bus or by car? Tu vas à l'école en bus ou en voiture? Il travaille tard ce soir. Il travaille tard ce soir. He is working late tonight. Il travaille tard ce soir. Elle prend soin d'elle tous les jours. Elle prend soin d'elle tous les jours. She takes care of herself every day. Elle prend soin d'elle tous les jours. Nous faisons un pique-nique dans le parc. Nous faisons un pique-nique dans le parc. We are having a picnic in the park. Nous faisons un pique-nique dans le parc. Vous allez au cinéma ce soir? Vous allez au cinéma ce soir? Are you going to the movies tonight? Vous allez au cinéma ce soir? Ils vont à la plage ce week-end. Ils vont à la plage ce week-end. They are going to the beach this weekend. Ils vont à la plage ce week-end. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures. I have breakfast at 7 o'clock. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Tu vas à la gym après le travail? Tu vas à la gym après le travail? Do you go to the gym after work? Tu vas à la gym après le travail? Il fait du jogging tous les matins. Il fait du jogging tous les matins. He goes jogging every morning. il fait du jogging tous les matins. elle prépare le dîner pour sa famille. elle prépare le dîner pour sa famille. she prepares dinner for her family. elle prépare le dîner pour sa famille. nous faisons une randonnée ce week-end. Nous faisons une randonnée ce weekend. We are going hiking this week-end. Nous faisons une randonnée ce week-end. Vous faites du shopping le samedi? Vous faites du shopping le samedi? Do you go shopping on Saturdays? Vous faites du shopping le samedi? Ils jouent au tennis ensemble. Ils jouent au tennis ensemble. They play tennis together. Ils jouent au tennis ensemble. Vous faites du vélo ensemble? Vous faites du vélo ensemble? Do you go cycling together? Vous faites du vélo ensemble? Je vais à la piscine tous les mercredis. Je vais à la piscine tous les mercredis. I go to the pool every Wednesday. Je vais à la piscine tous les mercredis. Tu as fini tes devoirs? Tu as fini tes devoirs? Have you finished your homework? Tu as fini tes devoirs? Il a besoin d'aide pour la cuisine. Il a besoin d'aide pour la cuisine. He needs help with cooking. Il a besoin d'aide pour la cuisine. Elle va à la gym tous les matins. Elle va à la gym tous les matins. She goes to the gym every morning. Elle va à la gym tous les matins. Nous jouons aux cartes le soir. Nous jouons aux cartes le soir. We play cards in the evening. Nous jouons aux cartes le soir. Ils vont au concert ce soir. Ils vont au concert ce soir. They are going to the concert tonight. Ils vont au concert ce soir. Je fais du jardinage le week-end. Je fais du jardinage le week-end. I do gardening on weekends. Je fais du jardinage le week-end. Tu vas au cinéma seul ou avec des amis. Tu vas au cinéma seul ou avec des amis. Do you go to the movies alone or with friends? Tu vas au cinéma seul ou avec des amis? Il lit un livre avant de dormir. Il lit un livre avant de dormir. He reads a book before sleeping. Il lit un livre avant de dormir. Elle écoute de la musique en travaillant. Elle écoute de la musique en travaillant. She listens to music while working. Elle écoute de la musique en travaillant. Nous faisons une promenade après le dîner. Nous faisons une promenade après le dîner. We go for a walk after dinner. Nous faisons une promenade après le dîner. Vous faites des recherches pour un projet? Vous faites des recherches pour un projet? Are you doing research for a project? Vous faites des recherches pour un projet? Ils vont à la plage pour le week-end. Ils vont à la plage pour le week-end. They are going to the beach for the week-end. Ils vont à la plage pour le week-end. Je fais du yoga tous les matins. Je fais du yoga tous les matins. I do yoga every morning. Je fais du yoga tous les matins. Tu prépares un repas pour tes amis ce soir? Tu prépares un repas pour tes amis ce soir? Are you preparing a meal for your friends tonight? Tu prépares un repas pour tes amis ce soir? Il fait du camping avec sa famille. Il fait du camping avec sa famille. He is going camping with his family. Il fait du camping avec sa famille. Elle prend des photos lors de ses vacances. Elle prend des photos lors de ses vacances. She takes pictures during her vacations. Elle prend des photos lors de ses vacances. Nous faisons du ski en hiver. Nous faisons du ski en hiver. We go skiing in the winter. Nous faisons du ski en hiver. Vous faites de la méditation pour vous détendre? Vous faites de la méditation pour vous détendre Do you meditate to relax? Vous faites de la méditation pour vous détendre Ils jouent au foot ensemble le dimanche. Ils jouent au foot ensemble le dimanche. They play soccer together on Sundays. Ils jouent au foot ensemble le dimanche. Je vais au parc avec mes enfants. Je vais au parc avec mes enfants. I go to the park with my children. Je vais au parc avec mes enfants. Tu vas au restaurant avec ta famille ce soir? Tu vas au restaurant avec ta famille ce soir? Are you going to the restaurant with your family tonight? Tu vas au restaurant avec ta famille ce soir? Il fait du bricolage dans son garage. Il fait du bricolage dans son garage. He does DIY in his garage. Il fait du bricolage dans son garage. Elle fait de la danse le soir. Elle fait de la danse le soir. She dances in the evening. Elle fait de la danse le soir. Nous faisons des recherches pour un projet scolaire. Nous faisons des recherches pour un projet scolaire. We are doing research for a school project. Nous faisons des recherches pour un projet scolaire. Vous faites du jardinage ensemble? Vous faites du jardinage ensemble? Do you do gardening together? Vous faites du jardinage ensemble? Ils vont au cinéma tous les vendredis. Ils vont au cinéma tous les vendredis. They go to the movies every Friday. Ils vont au cinéma tous les vendredis. Je joue de la musique avec mes amis le week-end. Je joue de la musique avec mes amis le week week-end. Je joue de la musique avec mes amis le week-end. Tu vas à la gym tous les jours? Tu vas à la gym tous les jours? Do you go to the gym every day? Tu vas à la gym tous les jours? Il fait des expériences pour son travail. Il fait des expériences pour son travail. He conducts experiments for his work. Il fait des expériences pour son travail. Elle fait des calculs pour un projet scientifique. Elle fait des calculs pour un projet scientifique. She does calculations for a scientific project. Elle fait des calculs pour un projet scientifique. Nous faisons des plans pour les vacances d'été. Nous faisons des plans pour les vacances d'été. We make plans for summer vacation. Nous faisons des plans pour les vacances d'été. Vous faites des présentations pour votre travail? Vous faites des présentations pour votre travail? Do you make presentations for your work? Vous faites des présentations pour votre travail? Ils font des traductions pour leur entreprise. Ils font des traductions pour leur entreprise. They make translations for their company. Ils font des traductions pour leur entreprise. Je révise pour un examen. Je révise pour un examen. I revise for an exam. Je révise pour un examen. Je vais à la bibliothèque pour étudier. Je vais à la bibliothèque pour étudier. I go to the library to study. Je vais à la bibliothèque pour étudier. Tu vas au parc pour jouer avec tes amis? Tu vas au parc pour jouer avec tes amis? Do you go to the park to play with your friends? Tu vas au parc pour jouer avec tes amis Il fait, Il fait du vélo pour se déplacer. Il fait du vélo pour se déplacer. Il fait du vélo pour se déplacer. Elle prend des cours de cuisine pour apprendre de nouvelles recettes. Elle prend des cours de cuisine pour apprendre de nouvelles recettes. She takes cooking classes to learn new recipes. Elle prend des cours de cuisine pour apprendre de nouvelles recettes. Nous faisons une promenade en bateau pour voir les oiseaux. Nous faisons une promenade en bateau pour voir les oiseaux. We go for a boat ride to see the birds. Nous faisons une promenade en bateau pour voir les oiseaux. Vous faites des recherches pour un projet universitaire? Vous faites des recherches pour un projet universitaire? Are you doing research for a university project? Vous faites des recherches pour un projet universitaire? Ils vont à la plage pour faire du surf ils vont à la plage pour faire du surf. ils vont à la plage pour faire du surf. je fais de la randonnée pour me dépenser. je fais de la randonnée pour me dépenser. i go hiking to get exercise. je fais de la randonnée pour me dépenser. Tu vas au cinéma pour voir un film d'horreur? Tu vas au cinéma pour voir un film d'horreur? Are you going to the movies to see a horror movie? Tu vas au cinéma pour voir un film d'horreur? Il fait du camping pour se reconnecter avec la nature. Il fait du camping pour se reconnecter avec la nature. He goes camping to reconnect with nature. Il fait du camping pour se reconnecter avec la nature. Elle fait du yoga pour se détendre après le travail. Elle fait du yoga pour se détendre après le travail. She does yoga to relax after work. Elle fait du yoga pour se détendre après le travail. Nous faisons des recherches pour notre mémoire. Nous faisons des recherches pour notre mémoire. We are doing research for our thesis. Nous faisons des recherches pour notre mémoire. Vous faites des calculs pour un projet scientifique? Vous faites des calculs pour un projet scientifique? Are you doing calculations for a scientific project? Vous faites des calculs pour un projet scientifique. Ils vont au concert pour écouter leur groupe préféré. Ils vont au concert pour écouter leur groupe préféré. They go to the to to their band. Ils vont au concert pour écouter leur groupe préféré. Je fais du jardinage pour avoir des légumes frais. Je fais du jardinage pour avoir des légumes frais. I do gardening to have fresh vegetables. Je fais du jardinage pour avoir des légumes frais. Tu vas au restaurant pour goûter de la cuisine locale Tu vas au restaurant pour goûter de la cuisine locale Are you going to the restaurant to try local cuisine? Tu vas au restaurant pour goûter de la cuisine locale? Il fait des recherches pour son livre. Il fait des recherches pour son livre. He does research for his book. Il fait des recherches pour son livre. Elle prend des cours de peinture pour apprendre de nouvelles techniques. Elle prend des cours de peinture pour apprendre de nouvelles techniques. She takes painting classes to learn new techniques. Elle prend des cours de peinture pour apprendre de nouvelles techniques. Nous faisons une randonnée pour voir les couchers de soleil. Nous faisons une randonnée pour voir les couchers de soleil. We go hiking to see sunsets. Nous faisons une randonnée pour voir les couchers de soleil. Vous faites des prévisions pour votre entreprise? Vous faites des prévisions pour votre entreprise? Are you making predictions for your company? Vous faites des prévisions pour votre entreprise? Ils vont au parc pour jouer au frisbee. Ils vont au parc pour jouer au frisbee. They go to the park to play frisbee. Ils vont au parc pour jouer au frisbee. Je fais de la natation pour améliorer ma santé. Je fais de la natation pour améliorer ma santé. I swim to improve my health. Je fais de la natation pour améliorer ma santé. Tu vas au cinéma pour voir un film romantique? Tu vas au cinéma pour voir un film romantique? Are you going to the movies to see a romantic movie? Tu vas au cinéma pour voir un film romantique? Il fait des réparations pour sa voiture. Il fait des réparations pour sa voiture. He makes repairs for his car. Il fait des réparations pour sa voiture. Elle fait des ajustements pour son costume. Elle fait des ajustements pour son costume. She makes adjustments to her costume. Elle fait des ajustements pour son costume. Nous faisons des mises à jour pour notre logiciel. Nous faisons des mises à jour pour notre logiciel. We make updates for our software. Nous faisons des mises à jour pour notre logiciel. Vous faites des sauvegardes pour vos fichiers? Vous faites des sauvegardes pour vos fichiers? Do you make backups for your files? Vous faites des sauvegardes pour vos fichiers Ils vont au concert pour écouter de la musique en direct. Ils vont au concert pour écouter de la musique en direct. Ils vont au concert pour écouter de la musique en direct. Je fais des installations pour mon ordinateur. Je fais des installations pour mon ordinateur. I make for my Je fais des installations pour mon ordinateur. Tu vas à la gym pour améliorer ta forme physique? Tu vas à la gym pour améliorer ta forme physique? Are you going to the gym to improve your fitness? Tu vas à la gym pour améliorer ta forme physique? Il fait des réassemblages pour ses jouets brisés. Il fait des réassemblages pour ses jouets brisés. makes reassemblies for his broken toys. Il fait des réassemblages pour ses jouets brisés. Elle fait des essais pour ses expériences. Elle fait des essais pour ses expériences. She conducts tests for her experiments. Elle fait des essais pour ses expériences. Nous faisons des évaluations pour notre entreprise. Nous faisons des évaluations pour notre entreprise. We make evaluations for our company. Nous faisons des évaluations pour notre entreprise. Vous faites des enquêtes pour votre étude de marché? Vous faites des enquêtes pour votre étude de marché? Are you conducting surveys for your market research? Vous faites des enquêtes pour votre étude de marché? Ils vont au cinéma pour voir un film d'animation. Ils vont au cinéma pour voir un film d'animation. They go to the movies to see an animated movie. Ils vont au cinéma pour voir un film d'animation. Je fais des analyses pour mon projet de recherche. Je fais des analyses pour mon projet de recherche. I make analyses for my research project. Je fais des analyses pour mon projet de recherche. Tu vas à la bibliothèque pour trouver des livres sur un sujet spécifique? Tu vas à la bibliothèque pour trouver des livres sur un sujet spécifique? Tu vas à la bibliothèque pour trouver des livres sur un sujet spécifique? Il fait des synthèses pour son mémoire. Il fait des synthèses pour son mémoire. He makes syntheses for his thesis. Il fait des synthèses pour son mémoire. Elle a des réflexions sur sa vie personnelle. Elle a des réflexions sur sa vie personnelle. She reflects on her personal life. Elle a des réflexions sur sa vie personnelle. Nous faisons des plans pour notre avenir professionnel. Nous faisons des plans pour notre avenir professionnel. We make plans for our professional future. Nous faisons des plans pour notre avenir professionnel. Vous faites des traductions pour votre travail? Vous faites des traductions pour votre travail? Do you make translations for your work? Vous faites des traductions pour votre travail? Ils vont au parc pour jouer au basketball. Ils vont au parc pour jouer au basketball. They go to the park to play basketball. Ils vont au parc pour jouer au basketball. Je fais des achats pour ma maison. Je fais des achats pour ma maison. I do shopping for my house. Je fais des achats pour ma maison. Tu vas au musée pour voir une exposition? Tu vas au musée pour voir une exposition? Are you going to the museum to see an exhibition? Tu vas au musée pour voir une exposition Il fait, Il fait des réparations pour sa maison. Il fait des réparations pour sa maison. Il fait des réparations pour sa maison. Elle fait des démarches administratives pour son permis de conduire. Elle fait des démarches administratives pour son permis de conduire. She does administrative procedures for her driver's license. Elle fait des démarches administratives pour son permis de conduire. Nous faisons des visites pour notre prochaine destination de vacances. Nous faisons des visites pour notre prochaine destination de vacances. We make visits for our next vacation destinations. Nous faisons des visites pour notre prochaine destination de vacances. Vous faites des déclarations pour votre impôt? Vous faites des déclarations pour votre impôt? Do you make declarations for your taxes? Vous faites des déclarations pour votre impôt? Ils vont au parc pour jouer au volleyball. Ils vont au parc pour jouer au volleyball. They go to the park to play volleyball. Ils vont au parc pour jouer au volleyball. Je fais des emplettes pour les cadeaux de Noël. Je fais des emplettes pour les cadeaux de Noël. I shop for Christmas gifts. Je fais des emplettes pour les cadeaux de Noël. Well done on completing this video on French conversation. You've taken a big step forward in your journey to learn French. Thank you for choosing Blabla Lab to learn French and we can't wait to see you back here soon for more lessons. Keep it up!